Wesh wesh yo, ayo! Comment vont mes amours de rêveurs, ceux sur lesquels tous les soirs je mastique sur ce qui me sert de yo, bref, ça va ou quoi? Vous êtes très 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 nombreux à regarder mes parodies Dragon Ball Z. D'ailleurs, ma chaîne est connue pour ça, je crois. Ce sont clairement les vidéos phares de ma chaîne. Et si on additionne toutes les vues qu'ont accumulé mes parodies, je crois qu'on dépasse les 400 000 vues. Sachant qu'on est seulement 20 000 abonnés sur la chaîne. Il y a quand même un énorme écart, un gros fossé, un petit peu comme mon boule. Oh. Du coup, abonnez-vous, please. Et aussi, surtout, activez la cloche. Pourquoi c'est très important? Parce que je fais beaucoup plus de lives que de vidéos. Et ça m'intéresse que vous soyez des milliers, que dis-je, des millions sur mes lives, afin de conquérir le monde. Relax. Le commentaire qui revient très 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 souvent sur mes parodies, c'est « Wow, motherfucker, comment t'imites trop bien Vegeta ?» Si vous avez pas compris, en gros, les gens disent « Wow, tu imites trop bien Vegeta !» Alors, j'ai décidé tout simplement de vous faire une vidéo. Comment bien imiter Vegeta? Du moins vous montrer comment moi je l'imite. Comment avoir un rendu similaire au mien. Bon, par contre, si vous n'avez pas encore mué, ça risque d'être complicado. Je vais donc essayer, je dis bien essayer, de vous transmettre mon savoir-faire. Go! Apprenons ensemble comment imiter Vegeta. Avant tout, Vegeta a une voix plutôt nasillarde, clairement. En tout cas, dans la version française. Et tu crois me faire peur avec tes tours de magie, peut-être? Sa voix est très... Bon, alors non, je ne fais pas une imitation de Monsieur Bean, pour ceux qui connaissent. Donc, je vous invite à faire un petit exercice qui est de faire passer votre voix de la bouche au nez. Du genre... C'est très chelou, je vous l'accorde, mais... C'est comme ça que ça marche. Vous avez ensuite sûrement remarqué que Vegeta avait une façon très... très hautaine de parler. Un peu genre, c'est moi le meilleur, c'est moi. Donc pour vous entraîner à obtenir cette façon de parler très... c'est moi le meilleur... je vous invite à vous mettre dans la peau d'un serveur dans un restaurant de luxe. Vous proposez à votre client du boire. Non, ça va, je rigole. Du boire genre de la vinasse, du vin, tu vois, du glou-glou. Qui rentre dans le sang et qui te fait tourner la tête. Pardon, putain, j'arrive pas à rester sérieux. Pardon. Donc vous vous mettez dans la peau d'un serveur dans un restaurant de luxe et vous dites à votre client « Encore un peu de vin, monsieur. Encore un peu de vin, monsieur. » Bref, vous vous mettez dans la peau du personnage. Faut que ce soit très... Ça risque de venir très très vite. Bref, je vais mettre un pantalon pendant que vous vous entraînez. C'est bon, vous l'avez? Bref, maintenant, je vous invite à combiner ces deux exercices. La voix nasillarde, la façon très... de parler. Quelle illusion d'optique, vous avez Vegeta. Du moins, vous avez mon Vegeta, celui que je fais dans mes parodies. Attention, extrait. Voilà, Son Goku, je suis à quatre pattes. Maintenant, viens me péter la rondelle. Maintenant, mettre un putain de pouce bleu et s'abonner, sa mère. Putain, avoue, t'as fait exprès. T'es vraiment une grosse biatch de Saiyan. Là, par exemple, si moi je devais vous faire un Vegeta et improviser, je vois qu'il est midi, par exemple, je fais Son Goku, il est midi, on va bientôt devoir aller manger. Tu vois, un petit peu manger comme ça. Son Goku, arrête de me regarder comme ça, Son Goku, tu m'excites. Bref, je vous invite à faire des imitations de Vegeta par centaines sur YouTube et de me le dire. Allez sur mon Discord, prévenez-moi, ajoutez-moi sur Snapchat, sur Instagram, où vous voulez. Si ce format vous plaît, dites-moi des personnages en commentaire d'animés que vous aimeriez qu'on essaye d'apprendre à imiter, qu'on puisse faire des vidéos drôles, d'autres parodies sur ma chaîne, parce que oui, si vraiment vous êtes au rendez-vous en termes d'abonnement, en termes de... On est là les viewers sur tes lives, et ben je vous promets qu'on essaiera de faire beaucoup 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 plus de parodies, je vous l'ai déjà dit, vous avez pas trop réagi. Petite rime, t'as vu? Et pourtant je suis pas rappeur, tu connais. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo, et mon plus grand souhait serait d'atteindre les 30K, les 100K en fait, les 100K sur cette chaîne, oh là là, ce serait le pied, et je parle pas de celui-là. Ouais non, j'ai mytho, j'ai pas mis de fuite en fait. Pensez à activer la cloche pour être présent sur mes lives, on se retrouve très bientôt, moi je vous dis... Allez, bonne journée! T'y connais?